plus on s'approche de l'échéance électorale du 22 novembre prochain, mieux le lion dévoile ses griffes. Dans la région des Cascades, le candidat de l'UPC est revenu sur l'un de ses principaux thèmes de campagne, la question sécuritaire. Et il accuse le président sortant de vouloir fuir le débat sur le terrorisme. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour dire que lui ne connaît pas les terroristes, comment il va discuter? Que quand il a pris le pouvoir, les terroristes sont venus le voir, qu'ils avaient commandé des voitures sous blesse comporée et les voitures ont perdu, sont perdues. Que est-ce qu'il peut les aider pour reprendre leur voiture? Et il dit que lui leur a dit que blesse comporée à Abidjan, ils n'ont qu'à aller le voir là-bas. Comment toi tu connais pas quelqu'un et puis tu parles comme ça avec la personne? Donc Zéphirin Diabré, par ailleurs chef de file de l'opposition, rejette l'idée d'une publication des résultats à jour plus un. J'ai envoyé un message ce matin au président de la CENI parce qu'il a dit que le 22 novembre. Le 22 novembre. Et 23 novembre, il y a les résultats. 23 novembre, résultats venant à bord. Non. Au galon, lui. Ça, c'est possible, ça. Est-ce que c'est Kakia? Faut pas accepter ça, de. À Kananis, à Sonina. On doit compter, recompter. Kankajati. Avant de proclamer des. Kassorka, résultats au bord. Candidat de l'UPC insiste, toute fraude le jour du scrutin aboutira à une crise post-électorale. Donc je vous le dis ici, s'il y a fraude, je n'accepterai pas les résultats et vous savez ce que vous devez faire. Allez, avalo, abramike, je répète bien qu'il m'entend depuis Ouagadougou. Au candidat de l'UPC, les militants des Cascades ont sollicité un redécoupage de leur région ainsi que des retenues d'eau. Si toutefois Zéphirin Diabré accédait à la magistrature suprême au soir du 22 novembre prochain.